Salut les graisseux, alors on se retrouve comme tu vois en race campagne avec à l'arrière-plan un Range Rover classique monté avec un moteur en 300 TDI. Donc tu as vu le titre de cette vidéo, je vais te donner 10 choses à vérifier sur ce moteur pour l'emmener vraiment au bout du monde. Donc, je t'ai fait une petite liste, tu vas voir, il y a de l'entretien et puis après il y a un petit peu plus de choses concernant de l'expérience personnelle, des petites choses à vérifier. Pourquoi? Parce que le moteur 300 TDI, c'est un moteur que tu vas retrouver bah, comme ici sous le capot des Range Rover classiques. Donc là, c'est un des tout derniers Range Rover classiques hein, que tu vas pouvoir retrouver avec le tableau de bord comme celui-ci. Tu vois, on appelle ça les tableaux de bord en sauvetage, comme ça. D'accord? Donc les dernières finitions. Et voilà, c'est un 300 TDI d'origine. Et tu vas le retrouver également sous le capot des Disco 1. Donc ils ont monté le Disco 1 avec du 200 et puis après le 300 TDI. Et tu vas le retrouver également sous le capot des Defender. D'accord? Donc c'est un moteur qui est extrêmement endurant, qui est extrêmement fiable. Il n'y a pas d'électronique, quasiment pas sur les versions comme ça, avec des boîtes manuelles et tout ça. T'as pas d'électronique du tout dedans. Extrêmement fiable, extrêmement endurant. Il ne consomme pas énormément. Il t'emmène vraiment au bout du monde. Et donc avec les petites astuces et puis les petites recommandations que moi je vais te donner, j'espère que ça va contribuer à les maintenir le plus souvent et le plus longtemps sur la route. Et c'est un moteur qui donne entière satisfaction à encore beaucoup de personnes qui font par exemple du raid à l'étranger ou alors quelquefois même des tours du monde, ce genre de truc, justement par sa robustesse, sa simplicité et sa fiabilité. Donc je vais te donner ça tout de suite, on est parti. Alors, on va voir déjà toute une liste de choses à vérifier qui vont faire partie du plan d'entretien. Donc déjà, si tu vérifies et que tu observes vraiment bien au niveau du plan d'entretien, comme je vais vraiment te l'énumérer, tu vas déjà t'épargner beaucoup, beaucoup de problèmes parce qu'un bon entretien bien suivi au niveau des changements de fluide et puis de certains périphériques et tout ça, tu vas voir que la fiabilité sera forcément au rendez-vous. Donc la première des choses, vidange moteur tous les 10 000 km. Ça, moi, j'y coupe pas, c'est 10 000 km, on met tout par terre. Au niveau du remplissage, tu observes vraiment toujours à ne jamais dépasser hein, ici au niveau du niveau max, d'accord? Donc le mieux, c'est d'être, on va dire, aux 2/3, 3/4, hein, mais voilà, te mets jamais surtout au-dessus du niveau maximum pour pas te retrouver avec une combustion. Enfin, qui se mettent en autocombustion avec éventuellement des turbos qui seraient fatigués ou ce genre de choses. Donc quand ça arrive, pense à caler tout de suite le véhicule avant que il vide toute son huile. Ça, c'est la seule façon d'arrêter le phénomène quand ça arrive. Donc vidange tous les 10 000 km avec le changement de filtre obligatoire. Donc moi, je le fais à chaque vidange, hein, c'est pas pour le prix. Le filtre qui est situé ici. Donc tu vois ici le blanc, on a le carter qui est là, support de filtre. Alors est-ce que tu le vois bien? Voilà, il est ici. D'accord? Donc ça, tu le changes à chaque vidange. La référence d'origine, c'est ERR 3340. Voilà, donc ça, tu le remplaces. Et au niveau de l'huile, tu peux tourner avec de la 1540. Voilà, c'est tout à fait bien. Et ça fait le boulot. Tu adaptes éventuellement, suivant l'endroit où tu es un petit peu sur la planète. Quelquefois, voilà, tu es vraiment dans des régions où il fait extrêmement froid ou alors il fait extrêmement chaud. Bon, tu peux adapter au niveau de ta viscosité, mais avec de la 1540, ça fait le boulot vraiment quasiment tout partout. Voilà, donc ça, c'est vraiment le premier point à vérifier. Filtre à air, ça, 20 à 25 000 km, et puis tu peux le remplacer. Et entre chaque intervalle de vidange, tu peux quand même démonter et puis souffler. On vérifie voilà, que c'est pas obstrué. Toujours conserver l'air qui soit le plus propre possible et le plus frais possible, si tu peux, pour un bon rendement moteur. Ça, il faut pas y couper parce qu'on a encore beaucoup, beaucoup de propriétaires qui malheureusement changent pas les filtres. Et quelquefois, tu récupères des véhicules qui ont tourné, allez, je vais dire, même 100 à 150 000 km avec un seul filtre. Autant te dire que au niveau du filtre, hein, c'est pas terrible au niveau respiration pour le moteur. C'est un petit peu comme si tu avais fumé pendant 50 ans des gitanes de maïs à 3 paquets par jour. Si tu y arrives, donc tu fumes à la chaîne, là, tu sais, et puis tu vas courir un 100 mètres derrière, c'est pas le top. Donc changement des filtres à air, ça c'est indispensable quel que soit le véhicule. Alors, autre chose, on va dire souvent d'un moteur qui respire bien, quand il fonctionne bien. Pourquoi? Parce que au niveau de l'admission, comme je viens de t'expliquer, on a un filtre à air qui est propre,
on aspire de l'air qui est bien propre en permanence. Le problème étant que on a vu apparaître à partir de ces années-là les montages avec les EGR. Donc là, l'EGR, tu vois, la soupape est toujours en place. Tu te doutes bien que moi, j'ai adapté un petit peu. Voilà, je ne vais pas t'expliquer plus en détail parce qu'en réalité, on n'a pas le droit normalement d'en faire la promotion ni rien. Moi, il y a une plaque ici et tu imagines que ce n'est pas d'origine, d'accord? Ce qui me permet, moi, d'avoir ici, au niveau de l'admission, un système qui est toujours propre. Si tu veux, on va démonter le collecteur d'admission qui est là et dedans, c'est vraiment nickel. Tu vois, tu n'as pas de suie qui revient de l'échappement et tout ça avec les systèmes de GR. Donc moi, c'est retiré depuis 300-350 000 km facile. Quoi. Je l'ai fait vraiment au tout début et je ne reviendrai pas en arrière. Donc au niveau de l'admission et au niveau de l'échappement également, les 300 TDI sont normalement catalysés. Donc tu vas trouver normalement un cata qui est là-bas. Bon, voilà, tube Afrique, descente en inox, d'accord. Et après, j'ai conservé la gamelle centrale et puis le silencieux. Hein, j'ai rien modifié de plus, d'accord. Donc ça, c'est pareil, c'est des modifications où moi, je reviendrai pas en arrière. Ça a bien amélioré les choses. Et moi, au niveau de la conso, c'est pareil. Par rapport au véhicule qui avait été livré neuf en concession et qui avait... moi, je l'ai connu livré neuf en concession, pris en première propriété par mon père, tout ça. Et après, il lui a servi à lui, il a servi à moi, il a servi à mon frère. Moi, je l'ai encore récupéré derrière. Et aujourd'hui, comme tu vois, au niveau kilométrage, on est à 432 300. Et il n'a pas fini de tourner et tout est d'origine, d'accord. Donc les modifs qui ont été faites, je pense que sont vraiment très bonnes pour contribuer également à la fiabilité. Donc voilà, ces deux modifs là également. Alors ensuite, ce qu'il faut soigner également, c'est au niveau de tout ton circuit d'alimentation en gasoil. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos et j'ai notamment fait un démontage du filtre décanteur que tu vas trouver normalement ici. Alors, je te remettrai une petite photo. Tu vois, il est situé là-bas derrière au niveau du châssis et tu as un pré-filtre vraiment avant celui qui est situé dans le compartiment moteur. Donc celui-ci, il faut vraiment le faire. C'est jamais qu'un piège si tu veux à eau et puis à vraiment grosse impureté. Donc il faut penser quand même à le vider de temps en temps et à le regarder parce que beaucoup de propriétaires de 300 et 200 TDI et tout ça n'y ont jamais touché. Moi, ça m'est déjà arrivé de récupérer des véhicules qui avaient 300-350 000 km et tout ça et n'avaient jamais été démontés. Je te raconte pas tout ce qu'on avait retrouvé là-dedans. Donc, filtre décanteur, c'est très important. Je te mettrai le petit lien également, petite fiche. Et puis, tu peux aller te faire toute la playlist de toute façon que j'ai créée de 200 et 300 TDI qui te permettent de... Voilà, on va vraiment plus en détail. Aujourd'hui, on va survoler. Donc tu vérifies ce pré-filtre et puis tu as également celui-ci qui est situé donc dans le compartiment moteur. Celui-ci tu peux le changer tous les 20-25 000 km et tu as aussi la possibilité de le purger au niveau de la flotte ici en bas, tu vois la petite partie blanche. Voilà, donc pense à bien le resserrer. Donc celui-ci a changé et au niveau de ton circuit vraiment d'alimentation, ce que tu peux faire aussi c'est remplacer quelquefois la pompe que tu as ici sur le bloc qui va te charger de mettre en pré-pression avant la pompe d'injection, d'accord. Donc les 300 et 200 TDI de toute façon peuvent tourner même si cette pompe là est HS, tu vois, parce que tu as un petit levier et puis souvent sur la pompe d'origine le petit levier ne fonctionne plus parce que le système derrière est cassé ou il a sauté. Donc tu peux essayer sur le tien hein, si tu n'as pas de résistance et tout ça. C'est certainement que la pompe de toute façon ne fait plus son boulot et qu'elle sert simplement de bypass, quoi. Il y a pas de, elle ne met plus en pré-pression. Et les pompes qu'on a ici sont suffisamment costauds et tout ça pour aller vraiment tirer le gasoil depuis le réservoir jusque la pompe d'injection. D'accord. Donc ça, ce sont des choses à vérifier au niveau des filtres, au niveau de la pompe qui est ici. Et puis, au niveau de la pompe d'injection, ça, il n'y a pas... tu peux faire des révisions quand tu es vraiment sur des gros kilométrages ou que ça commence à fuir un petit peu comme ici, tu vois. Mais ce sont des pompes qui sont extrêmement fiables. Alors, ça, je vous ai fait pas mal de vidéos également là-dessus. Et il y a une vidéo vraiment tuto complète. Je te la remettrai également dans la description et tout. Et puis, en petite fiche, c'est de régler les culbuteurs qui sont situés voilà, ici en dessous. Tu as des culbuteurs à régler. Moi, je le fais tous les 20 000 km. Allez, 25 000 maximum.
Et puis quelquefois, quand j'entends que ça cliquette et tout ça, malheureusement un petit peu avant, bah, je le fais plus rapidement. Donc ça, à vérifier tous les 20 000 km. Et surtout, tu regardes au niveau de la petite pastille qui est apposée sur la queue de soupape, qu'elle soit toujours en place, qu'elle soit pas limée, qu'elle soit pas abîmée. Et puis tu fais ton réglage à 0,20. Moteur froid en admission, échappement. Et puis voilà, je t'invite à aller voir le petit tuto pour appliquer la méthode que moi j'appelle la méthode 9 pour régler ces culbuteurs. C'est relativement facile, ça prend allez, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure à faire. Mais au niveau du rendement, ça se ressent et puis ça permet de contribuer à la fiabilité, encore une fois, du véhicule. À sa souplesse également, et puis c'est toujours plus agréable d'avoir un moteur qui tourne rond. Donc à vérifier. Malheureusement, j'ai jamais vraiment compris pourquoi, mais entre chaque réglage, moi je retrouve toujours des petits trucs, des petits ajustements et tout ça. Je sais pas pourquoi ça bouge, mais bon, c'est une des particularités sur ce moteur. En le réglant tous les 20 000, on n'a pas de problème. Alors justement, quand tu es en train de démonter ici, parce que tu vas devoir démonter ton cache-culbuteur pour accéder pour ton réglage culbuteur, tu peux en profiter pour nettoyer le reniflard qui est ici. Et puis s'il a vraiment beaucoup beaucoup de kilomètres, qu'il a fonctionné avec une huile, voilà, tu as récupéré, admettons, un moteur où c'est vraiment crasseux dedans, l'huile, les vidanges n'ont pas été respectées, tout ça, il peut arriver que celui-ci soit colmaté. Bon, moi je le nettoie un coup de temps en temps, c'est toujours celui d'origine. Je vérifie également que bah, il refoule vraiment bien comme il faut. Donc tu peux penser à le nettoyer, ça c'est l'entretien que classique. La modification que moi j'ai faite, et puis tu vois, c'était du provisoire, mais c'est à caractère définitif. J'ai tout envoyé au niveau du Roger dans un petit catch-can, on va dire maison, au lieu de l'avoir ici dans ma durite d'admission qui a été complètement bouchée. Donc voilà, je l'ai bouchonné à cet endroit-là, ce qui permet d'avoir toujours une admission ici qui fonctionne vraiment avec de l'air qui est propre, qui est pas contaminé par de l'huile. Et ça se passe très bien comme ça depuis 300 000 km. Pas de raison d'en changer de mon côté. Donc reniflard également à vérifier. Alors ensuite, dans l'entretien, la chose vraiment à laquelle il faut absolument pas déroger, il faut absolument le faire, c'est le changement de la courroie de distribution qui est située ici dans le carter. Donc il y a encore des personnes qui pensent que les 300 TDI, parce qu'on a un carter ici alu et tout ça, ont une distribution par chaîne, ça. Non, 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 non et non. C'est une courroie de distribution à changer tous les 80 000 km à peu près, ou 5 ans, d'accord? Donc ça, tu fais le kit complet, tu changes avec le galet tendeur, tu changes le galet fou. Moi, j'en profite souvent, je fais toujours les joints spi, les petits joints toriques et tout ça aussi qu'on a au niveau du pignon de vilebrequin, tout ça. Enfin, je change la totalité. Ça, c'est vraiment à faire comme il faut, avec tu piges hein, tout pour le faire. Ça se fait relativement bien. L'avantage sur le 300 TDI, c'est que tu n'as pas à toucher au niveau du circuit d'eau parce que la pompe à eau étant montée ici, tu n'as pas besoin de vidanger au niveau du bloc, contrairement au 200 où tu vas avoir une pompe à eau qui est située devant le carter de distribution. Donc ça, c'est un petit peu plus chiant sur le 200. Mais voilà, sur le 300, tu n'es pas embêté du tout. Donc pense absolument à le faire parce que quand ça casse, malheureusement, il est trop tard, même si bon, en général, on n'a pas trop de dégâts, même sur des courroies de distribution cassées, tout ça, on arrive toujours en général, en déposant la culasse, tout ça, on remet en état et puis ça repart, il n'y a pas trop de misère. La chose qui est importante, c'est de bien repérer au niveau des calages, et j'en profite aussi pour te parler au niveau du calage de pompe d'injection. Ça, il faudrait que je vous fasse une vidéo complète sur le calage de la pompe d'injection au point mort au premier cylindre. Moi, je les mets à 1,154 au niveau de la levée, au niveau du piston. Donc ça, il faudrait que je vous fasse une vidéo vraiment complète. Voilà, ça se passe ici derrière au niveau du bouchon central qu'on va avoir ici au centre, au niveau des sorties rigides. Je vous ferai une vidéo vraiment complète sur ça. Il faut que je la tourne, mais ça demande beaucoup de mise en œuvre et tout ça. Il faudrait que j'ai des carters ouverts et tout ça pour bien vous montrer. Mais bien observer ça, donc au niveau du calage de l'avance. Tu peux te référer au manuel d'atelier en attendant. Ça peut être une bonne chose de le vérifier si par exemple tu prends possession d'un véhicule et tu n'as pas d'historique au niveau de l'entretien, tu ne sais pas ce qui a été fait avant. Et si par exemple il y a eu aussi des montages de distribution, tout ça, mais quelquefois j'en ai trouvé quelquefois qui étaient légèrement décalés, tout ça, donc ça peut être une bonne chose de vérifier ça. Mais surtout, la courroie de distribution, 80 000 km, 5 ans maximum.
Donc, point suivant, comme tu vois, il y a beaucoup de choses au niveau de la fiabilité d'un moteur, d'un véhicule et tout ça qui dépendent quand même de l'entretien. Donc moi, attends, je retirerai ça parce que le soleil est quand même tombé. J'ai créé justement un outil qui te permet de t'aider justement dans le rappel de ces entretiens, dans les échéances, ce genre de choses. Donc ouais, je sponsorise mon propre contenu, je te montre ça tout de suite. On va aller voir directement sur l'appli que j'ai créée. Alors, au moment où je te tourne la vidéo, on est en train de faire encore des upgrades au niveau de la plateforme et tout ça. Donc quand tu iras sur la plateforme Meka Connect, elle sera encore visuellement bien améliorée par rapport à là. Donc là, on se trouve dans mon garage, où tu vas retrouver mes véhicules. Et donc tu vois, tu as le véhicule qui est là. Et ici, tu vas retrouver la totalité des entretiens et tout ça que j'ai pu faire sur ce véhicule. Et je te parle de ça parce que, comme tu vois, je viens de te parler de tous les événements, ce que moi j'appelle des événements planifiés, c'est-à-dire des échéances d'entretien. Donc moi, j'ai tout rentré ici dans ma session avec les échéances que je dois observer sur ce véhicule et je les ai paramétrées au kilométrage qui m'intéresse et je reçois une notification quand j'arrive à l'échéance au niveau du kilométrage. Donc, c'est pour ça que moi je te propose d'aller voir, tous les liens sont dans la description, c'est moi qui ai créé mecaconnect.com. Ici sur la vidange moteur, tu vois, je l'ai mis à 10 000 km. Le réglage des culbuteurs, vidange d'huile de boîte de vitesse, boîte de transfert, pont, pont avant, pont arrière, bon ça c'est concernant les organes de transmission. Et tu vois que ici, au niveau du liquide de refroidissement, voilà, je l'ai mis à 60 000 km et je suis légèrement dépassé, je vais te montrer un peu après pourquoi. Et j'ai mis également le rappel pour le remplacement de la distribution, le kit complet tous les 80 000. Et si je retourne dans mon atelier, je vais regarder au niveau des échéances. Je crois que j'ai dépassé d'environ 3 000 km à peu près. Sur l'échéance, le remplacement du liquide de refroidissement. Ouais, c'est ça, 3 700 km. Mais justement, comme j'avais vu que j'avais cette fuite au niveau du joint pistolet, je me suis dit, bon, on va tout faire en même temps, on va tout remplacer et je remplacerai mon liquide de refroidissement à ce moment-là. Donc là, voilà, tu vois, dans mon atelier, moi, je vais retrouver la totalité des alertes que j'ai paramétrées sur mes différents véhicules. Et ça me permet de voir au niveau des kilométrages les échéances qui arrivent. Et j'ai également un tri qui se fait par date. Voilà, bon, ça ne nous intéresse pas forcément. On va retourner sur le véhicule. Le véhicule en question avec toutes les opérations qui ont été faites et tu vas le retrouver ici. Je vais d'ailleurs mettre à jour son kilométrage, j'ai 300 km de plus depuis. Voilà, donc mecaconnect.com, c'est moi qui suis le fondateur et le dirigeant. C'était la bonne occasion de t'en parler parce que justement, c'est une des fonctionnalités que moi j'ai souhaité développer dans cette application. C'était ce rappel des échéances, des entretiens, ce ça. Parce que si tu es comme moi avec un garage où il y a quand même pas mal de véhicules et tout ça, au lieu de noter sur des papiers, des feuilles volantes, ce genre de trucs, moi j'ai préféré justement développer cet outil-là qui me permet de tout mettre en ligne, d'avoir une vue qui est vraiment globale sur toute ma flotte et justement d'observer un plan d'entretien et tout ça qui soit vraiment régulier et ne plus rater mes échéances du tout. Donc ça, c'est consultable comme tu as vu là sur la version en mobile, mais je le fais également quand je gère par exemple toute la flotte, je le fais sur version PC où c'est au niveau de l'ergonomie et tout ça, voilà, tu vois bien ce qui se passe, mais on a une version qui est totalement responsive et qui est accessible comme tu vois de n'importe où à partir du moment où tu as de la 4G. Voilà, donc on repasse sur la suite des choses à vérifier pour emmener ce véhicule jusqu'à la Lune. Alors ensuite, une chose aussi absolument à vérifier, c'est au niveau de ton circuit de refroidissement. Donc toujours avoir le liquide qui est à bon niveau. Donc là, je ne sais pas si tu le verras, tu as une petite croix à l'intérieur. Voilà, il faut que ton niveau soit affleurant. Donc moi, j'utilise toujours un liquide qui est de bonne qualité, mais je ne mets pas forcément des qualités extrêmes, extrêmes. Je préfère observer un remplacement qui est vraiment récurrent. Donc moi, je le fais tous les 60 000 km à peu près, ou tous les 3 ans, tu vois. Et une chose qui est très importante, donc sur ce circuit de refroidissement, hormis le fait d'avoir évidemment toutes les durites en bon état, tout ça, en faisant bien attention, parce que tu vois ici, au niveau de la conception, celle-ci, elle passe quand même vachement près de la poulie de pompe à eau. Donc voilà, les Colson ou les Relsan, amis éternels. D'accord? Donc tu fais très très attention au niveau de l'état des durites et tout ça. T'hésites pas à les changer si tu vois que ça commence à craquer tout ça. Et surtout, moi je remplace les bouchons qu'on peut avoir vraiment d'origine ici, qui sont normalement en plastique. Et la plupart des propriétaires maintenant sont passés sur les bouchons qu'on a voilà, comme ça ici en laiton et que tu vas retrouver quelquefois ici aussi au niveau du radiateur
du radiateur moteur. Donc ça, c'est vraiment important pour ne pas se retrouver avec un bouchon qui, malheureusement, est très difficile à démonter si tu es sur la version plastique, parce que ça se prend à la clé de 21 de mémoire, et puis bah, souvent tu l'arrondis, tu n'as pas une bonne prise, ce qui n'est pas le cas avec des bouchons comme ça, qui sont vendus en laiton, c'est de la seconde monte. Mais la plupart maintenant ont été remplacés. Alors, je t'ai sorti le petit sachet. Pourquoi? Parce que je vais te montrer un joint qui peut éventuellement poser problème, toujours quand on parle du circuit de refroidissement. Donc, tu vois, moi dans la boîte à gants, j'ai quand même des joints d'avance. Quand je m'en vais loin, au moins j'ai les pièces, je sais que je pourrais me dépanner. Alors, je vais te sortir ça. Le voilà. Alors lui, celui-ci m'énerve, vraiment. Je te donne la référence. C'est ce qu'on appelle les joints pistolets, si tu veux. Voilà, PET 179-0. Et le G, ben, parce que c'est une pièce entre guillemets d'origine, d'accord? Donc il a une forme comme ça, en forme de pistolet, tu vois. Voilà, là tu le vois bien. Et ce joint-là, alors il est situé, je vais te montrer, ici à l'arrière. Il est situé là. Voilà. Il est là, ici, derrière. Donc, tu vois, moi, j'ai le problème sur celui-ci. Donc, c'est pour ça qu'on va en reparler par la suite. Tu verras. Voilà. Là, j'ai un petit peu de flotte qui passe. Tu vois, ça y est, ça commence. Alors, lui, il pose vraiment problème parce qu'il fait la jonction, si tu veux, entre ta partie carter aluminium ici de pompe à eau et sur lequel aussi tu vas pouvoir monter tes périphériques alternateurs, pompe de direction assistée qui est là-bas, et la partie vraiment bloc en fonte. D'accord? Donc ici, tu es sur le bloc en fonte et je pense que c'est vraiment cette différence au niveau des métaux, si tu veux, qui pose ce problème parce qu'on ne doit pas avoir la même dilatation. Et passer un certain kilométrage, en général, voilà, ils ont une durée de vie à peu près équivalente à la durée de vie de la distribution chez moi. Donc je le remplace assez régulièrement. Tu vois, là, ça commence à faire des petites taches blanches. D'accord, donc ça, il ne faut pas trop traîner quand tu vois là comme ça. Moi, je vais le faire très très rapidement. De toute façon, il faut que je fasse le remplacement du liquide de refroidissement. Donc, je vais le changer. Alors, tu peux avoir des grosses difficultés s'il n'a jamais été démonté parce que tu peux casser les vis qui traversent tout et qui viennent jusque dans le bloc. Donc, si elles cassent vraiment à ras, ça, c'est vraiment embêtant. Donc, tu vas me dire, c'est peut-être une bonne chose si moi, je dois le démonter. Parce que ça me permettra justement de graisser, moi de toute façon à chaque fois les vis je les démonte et je les graisse bien comme il faut pour observer ça bien comme il faut et ne pas être pris quand il faut le démonter. Donc voilà, donc moi au niveau de ce joint là j'hésite pas à le remplacer vraiment comme il faut et à le coller vraiment avec une bonne patte pour dire de lui prolonger au niveau de son existence, mais malheureusement je pense qu'on n'arrivera jamais à avoir ce joint là qui tient pendant 300 ou 400 000 km sans y toucher. Alors il est important de le vérifier parce que ce qui peut se passer c'est que tu peux avoir un problème de chauffe au niveau de la culasse à cause d'une fuite à cet endroit là parce qu'il suffit que tu aies une fuite qui soit déjà importante, si tu veux tu peux avoir un passage d'air et le passage d'air va faire que bah, ça va les remplir au niveau le plus haut et tu vas te retrouver avec une mauvaise purge, avec un circuit qui va plus être correctement au niveau de la mis en pression si tu veux, et tu peux te retrouver avec vraiment la partie haute de la culasse qui peut se prendre une chauffe à cause de ça parce que tu auras une fuite à cet endroit là donc ça vraiment tu tardes pas quand tu vois que ça commence, c'est à mon avis avec la courroie de distribution l'un des points faibles de ce moteur, donc à vérifier absolument. Et toujours en avoir un voire deux dans la boîte à gants. Alors, donc je t'ai parlé tout à l'heure des durites au niveau du circuit de refroidissement. Ce qui est important également, c'est de bien vérifier au niveau de l'état de toutes les durites que tu vas avoir sur ton circuit de suralimentation. Donc vraiment en sortie de turbo, ici, ces durites-là, d'accord, celle-ci. Celle que tu vas avoir ici juste avant l'entrée d'intercooler et celle que tu vas avoir là. Donc quelquefois suivant les montages ou par exemple en seconde monte les propriétaires ont obturé ici au niveau du collecteur d'échappement, tu te retrouves avec une plaque, tu supprimes toute cette partie-ci et tu peux te retrouver avec une grosse durite qui va ici de l'intercooler jusqu'au collecteur d'admission. Moi j'ai conservé la pièce d'origine mais bon je t'ai expliqué pourquoi avant. Donc tu vérifies toujours la bonne étanchéité de ce circuit-là.
Vécu, ben, pas chez moi, mais ce qui peut arriver quelquefois, c'est que tu as quelquefois des durites qui se dédoublent de l'intérieur. Donc tu peux avoir des durites qui s'obstruent et t'accélèrent, je ne sais pas pourquoi, ben, elle se retrouve que tu as une partie interne qui se décolle et qui vient obstruer ton passage d'air. D'accord? Donc tu peux avoir des fumées noires ou ce genre de trucs quand c'est comme ça. Donc à vérifier également et puis toujours garder un intercooler qui soit le plus propre possible, qu'il soit d'origine ou de seconde monte, hein, si tu es sur des versions sportives, on va dire, ou de la e-sport, des trucs comme ça, des intercooleurs de seconde monte, mais c'est toujours très important d'avoir ça, qu'il soit en bon état, qu'il soit pas obstrué, qu'il soit pas plein d'huile, pour contribuer quand même au rendement de ta suralimentation, et toujours avoir le circuit qui soit bien étanche. Alors, autre chose ici, côté passager, tu vérifies bien, c'est au niveau de ces flexibles que tu vas avoir ici et qui vont transporter de l'huile moteur. Donc, elles vont arriver ici au niveau du carter support pour le filtre à huile et partir jusqu'à l'avant du moteur, ici dans la, enfin, jusqu'au radiateur, si tu veux, où il va y avoir un échange de calories entre la partie refroidissement, partie eau, si tu veux, liquide de refroidissement, et ici l'huile qui va circuler là-dedans pour avoir tout le monde à la même température, d'accord? Donc ça, tu peux te méfier énormément parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est que tu es situé après le témoin de chute de pression. Donc tu peux te retrouver, admettons, avec une fuite. Je t'invite à aller voir la vidéo que j'avais faite. Moi, j'ai évité une casse moteur comme ça. J'ai failli vider la totalité de mon huile juste après une remise en état de ce moteur. D'accord? Et j'avais une toute petite fuite, hein, vraiment un trou d'épingle qui, une fois en pression, se mettait à gicler tout partout et me vidait la totalité de mon circuit d'huile. Donc vraiment se méfier parce qu'avec les années, le kilométrage, tout ça, ça peut devenir cassant, craquant au niveau des raccords. Et puis tu as des petits toriques, hein, qui sont ici. Donc ça, je t'invite aussi à les démonter, ne serait-ce que par prévention, parce qu'il peut arriver aussi de casser au niveau du raccord ici sur le radiateur. Donc tu peux les changer et les remonter bien à la graisse pour pas être pris justement si avant de partir en raid ou ce genre de truc, quoi. Si tu dois les démonter, pas te retrouver avec une casse à cet endroit-là, c'est complètement con. Donc ça, tu vérifies bien au niveau de cet état-là, d'accord? Et ça peut être vraiment traître. Donc c'est un des points faibles également sur la conception de ce moteur. Mais il n'y a pas de raison, hein. Moi je les ai changés. Il avait presque 400 000, hein, donc voilà, ça fait quand même une belle durée de vie. C'est pas pour deux bouts de tuyau. Alors, une chose dont on parle et que tu peux voir passer aussi quelquefois sur les forums, c'est au niveau du remplacement de joints de culasse. Hein, bon, bah ça va être du classique. Moi, je m'inquiète pas trop avec ça, si tu veux. Le mieux étant quand même d'observer. Et puis, de toute façon, si tu vas avoir un problème de joint de culasse et tout ça, tu vas t'en rendre compte et tu vas intervenir. Ça se fait relativement facilement. Hein. Si tu veux, tu n'es pas obligé de toute façon de démonter la distribution puisque tu as un arbre à cames qui est monté ici dans le bloc moteur, partie basse, moteur culbuté. Donc, tu retires les tiges, tu retires la rampe. Tu démontes ta culasse, tu sors ici les collecteurs, les machins, tout ça. Et sur une journée, ça se fait, hein, remplacement de joint de culasse. Donc, je peux t'inviter, c'est à aller voir au niveau du choix éventuellement de l'épaisseur de ton joint de culasse. Ça, j'ai fait une vidéo dessus où je te montre comment on fait pour mesurer le dépassement des pistons, ce genre de truc, hein, sur ce moteur, justement, de toute façon. Parce que moi, je l'avais ouvert complètement et je l'avais révisé quand il avait 360 000 km à peu près, par prévention. Et depuis, bah, j'ai refait quand même pas mal de kilomètres. Donc, le joint de culasse, vérifier ici au niveau de l'épaisseur, tu vas l'avoir à cet endroit-là, au niveau des trous, tu vois. Donc là, par exemple, ici, c'est un 2 trous. Donc, tu vas trouver des 1 trou, 2 trous, 3 trous. Et tu trouves également des joints qui n'ont pas de trous du tout, qui sont hors cote, entre guillemets. Donc, qui ont une épaisseur encore supérieure aux 3 trous, d'accord? Donc, tu peux trouver des 3 trous en lieu et place, parce que quelquefois, les gens démontent, ils ne s'embêtent pas, ils commandent forcément le joint qui va passer à tous les coups. Le mieux étant, si tu as l'occasion, bah, de remettre le même que celui que tu as trouvé au démontage, sauf si tu fais de la réactive de culasse ou ce genre de truc, dans ce cas-là, remesure et tout ça, il faut, enfin, tu adaptes, tu fais tes calculs. Et si jamais tu as un moteur qui, par exemple, a du mal à démarrer sans préchauffer ou ce genre de choses,
Si tu as du bonne compression et que tu as un bon réglage au niveau de tes culbuteurs et que ta compression vraiment est bonne, tu peux aller chercher peut-être un petit peu du côté de l'épaisseur du joint de culasse parce que le fait d'augmenter l'épaisseur fait que ça diminue au niveau de ta compression et tu peux avoir un départ à froid qui est un peu plus problématique que sur celui-ci parce que celui-ci, tu peux fonctionner sans préchauffage, même en hiver à moins 10, tu vas démarrer sans préchauffer, c'est pas un problème parce que la compression est excellente. D'accord? Donc ça, tu peux le vérifier. Le joint de culasse, moi, bah, il a été changé. Je crois qu'il avait été changé une fois avant que je m'en occupe. Et puis moi, quand j'ai révisé le moteur, bah, je l'ai rechangé également par prévention. Bah, et puis de toute façon, c'était ouvert, donc je n'avais pas le choix. En durée de vie, en général, allez, 200 000 sans problème. 250 000, normalement aussi pareil. Ça dépend comment ça a été conduit. Quelquefois, il souffre un petit peu plus quand tu as, par exemple, des pompes d'injection qui ont été retouchées au niveau du débit de gasoil. Bon, moi ici, il y a un petit rory, donc c'est-à-dire j'ai touché un petit peu au niveau du cône et puis également au niveau du ressort pour avoir vraiment un agrément de conduite qui est meilleur, mais j'ai pas touché au débit de gasoil, donc j'ai pas de surchauffe, hein, si tu veux, au niveau de tout ce qui va être système d'échappement et tout ça, bah, avec un surplus de gasoil, des imbrûlés, des fumées noires, tout ça, j'ai pas ça sur ce moteur-là, il est réglé correctement. Mais tu peux avoir sur les TDI quelquefois voilà, des problèmes de joint de culasse qui bah, vont. Soit avoir une communication entre les cylindres. Souvent, les parties où ça chauffe le plus, c'est quand même vers l'arrière, donc ça casse, ça peut arriver de péter un joint de culasse vers l'extérieur, donc tu te retrouves avec un souffle côté vraiment tablier. Sur les deux sens, ça arrive un petit peu plus, ils sont un petit peu plus fragiles au niveau du joint de culasse, et ça souffle en général vers l'arrière complètement, côté cloche, donc ça c'est vraiment typique sur les deux sens. Sur les 300, c'est vrai que ça arrive quand même beaucoup moins, mais à vérifier. Et puis éventuellement, bah voilà, si tu as un moteur qui a 300 et 1000 km, toujours pareil, si tu n'as pas d'historique et puis que bah, tu souhaites l'entretenir ou faire un peu de prévention dessus, ou si tu préfères éventuellement partir en raid, ça peut être une bonne chose de réviser le moteur. Et puis bah, à la limite, tu changes ton joint de culasse sans prévention et tu seras parti pour un bon petit moment. Je te propose d'aller faire un petit tour avec. On va aller l'essayer sur la route, que tu te rendes compte un petit peu comment ça tourne. Et tu vas voir que voilà, même après 400 000 km, il a toujours la santé, le véhicule. C'est parti! J'adore! Bon, alors comme tu vois, ouais, mon capot est d'une autre couleur parce que j'ai dû changer cet élément de carrosserie. Souvent les capots, surtout de cette génération-là, avec les charnières cachées comme ça, ont tendance à bien pourrir sur l'avant. Donc la feuillure part et puis voilà, j'en ai retrouvé un dans tout mon tas qui était gris, mais malheureusement il est gris foncé. Il faudrait que je passe un petit peu en carrosserie. Et c'est un des points qui est malheureusement le cas pour beaucoup de Land Rover, c'est que quand tu es motorisé avec des TDI ou ce genre de trucs, ta carrosserie et ton châssis et ta caisse part en général bien longtemps avant le moteur. Tu peux encore avoir des véhicules qui tournent impeccablement, qui ont la santé et tout ça, mais malheureusement, les caisses sont pourries, quoi. C'est surtout ça qui les tue, si tu veux. Alors, on va remonter par là. Croisement, voilà. Il permettra de chauffer un petit peu avant de prendre la route. Et il a un ronron qui est rassurant, ce véhicule. Après, en vitesse de pointe, t'attends pas à faire vraiment des 120, 130 et tout ça. Moi, en général, quand je fais de l'autoroute et tout ça, je me cale à 110 et je vais pas beaucoup plus haut. Moi, je suis pas très malin parce que je roule toujours en fonction des véhicules que j'ai. Donc si tu me donnes un véhicule qui avance pas trop, je vais être plutôt calme. Par contre, tu me donnes un véhicule qui bombarde, bah, je vais pas savoir me calmer non plus. Donc avec ça, c'est pas mal parce que voilà, tu as une conduite qui est relativement cool. On s'y fait très bien, c'est très endurant et pour voyager en raid ou ce genre de truc, c'est très très bien. Et c'est surtout au niveau conso, donc là je te renvoie dans certaines des vidéos. Ce qui pourrait être important et intéressant, c'est surtout de remettre en commentaire le kilométrage que vous avez avec ce genre de véhicule, parce que moi j'en connais qui ont des 500, 600 000 km. Bon, il y en a
pas énormément, énormément, parce qu'il faut déjà les faire quand même. Mais ça serait intéressant de voir à quel kilométrage vous êtes, et puis de mettre également la conso que vous avez sur votre véhicule, et mettre derrière ce que c'est, si c'est un def ou si c'est un disco, parce que voilà, def, disco, on ne tire pas au niveau des rapports de la même façon, et puis voilà, on n'a pas le même CX, coefficient de pénétration dans l'air, ce genre de truc. Moi ici en conso, j'arrive à tomber à du 7,5 litres sur vraiment de la grande route et tout ça. J'étais redescendu d'Écosse jusqu'en France et tout ça, voilà, on était en allure stabilisée, on était à 7,5 litres. Et tu vas monter à 8 litres, 8,5 litres. Admettons, je vais lui mettre une remorque derrière et tirer un petit peu de charge et tout ça. Voilà, on va monter à 8,5 litres, mais j'irai jamais vraiment au-dessus. Donc, vous pouvez remettre ça en commentaire, c'est intéressant. Au niveau conduite, ça fait vraiment le boulot. On n'a pas l'agrément d'un 6 cylindres ou d'un V8, mais sur le nombre de kilomètres et tout ça que tu peux faire, pour voyager vraiment loin, par exemple, si je devais par exemple repartir en raid demain au Maghreb ou ce genre de truc, franchement, c'est le genre de voiture que j'aimerais bien. Je crois que mon choix se porterait là-dessus. Parce que le V8, il me faut une pompe tous les 400 ou 500 kilomètres. Là, avec ça, tu peux faire 1000-1200 km et voilà, il n'y a pas de problème avec ça au niveau conso. C'est quand même vachement appréciable. Tu as de la souplesse, c'est sans souci, ça se répare n'importe où, c'est le bonheur. Bon voilà, donc je pense qu'on a fait le tour au niveau de la présentation de tous les éléments vraiment à vérifier et de tout le, on va dire, l'expérience que moi je peux avoir sur ce moteur. J'ai essayé de te communiquer le maximum de choses. J'espère que ça te permettra de le conserver sur la route et puis de rouler encore de nombreuses années avec. De toute façon, tu peux te refaire la playlist que j'avais mise en ligne, où je te montre vraiment les interventions. Donc tu as par exemple le réglage des culbutes, le démontage au niveau de la face avant pour accéder au niveau distribution, la mesure au niveau de l'épaisseur joint de culasse, calage vilebrequin, je crois que j'avais fait tout ça aussi. Enfin, il y a toute une playlist de 300 TDI. Tu vas vraiment retrouver toutes les pannes que moi, entre guillemets, j'ai pu avoir au niveau de la durée de vie de ce moteur. Et puis de toute façon, c'est un moteur qui a à mon avis encore des beaux jours devant lui, que j'apprécie beaucoup. Donc c'est pas le plus puissant, mais il est extrêmement fiable et il est extrêmement plaisant et ouais, très agréable à conduire. Excellente voiture. Voilà, donc j'espère que ça sera utile. Bonne route à toi en Lande et en 300 TDI en l'occurrence. Ciao.